Good morning, allez, Iden, les tu sois aujourd'hui, l'irfoua traya rivka batlea, Sarah bat Nechama et Hana bat la digitale Devora, betor char ou l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude du Mishnah contacté la sacrée unité éternelle, nous étions ma sacrée psachim, prekei, Mishnah hei. Kema sehu bechol, kach ma sehu bechabat, et là, shakoanim madichim et azara, shalom birtson chachamim. Rabbi Yoda Omer, kos aya memale mida mata arovet, zrakoz rika achat, al gabe amizbeach, On continue le rituel des korbanot, du korban Pessah, comme est-ce qu'on l'a porté, tout l'âme Israël qui se trouve à Yerushalayim, et chaque famille dénommée un délégué pour partir faire son korban. On a appris qu'il fallait le faire en trois groupes, Kol, Kehal, Adat, Israël, trois mots pour dire trois groupes, et trois groupes qui rentrent dans la Hazara, on en laisse dehors, et puis après on fait rentrer le deuxième groupe. Et bien sûr, les Kohanim qui se tiennent en ligne, on fait la Shrita, on fait passer le Kli, avec le Mizrak, on laisse sur le Mizbeach, on renvoie un vide pour le moment, comme ça la prochaine Shrita, on a déjà un ustensile pour récupérer le sang, et ainsi de suite. Comme ce qu'on expliquait. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que, Kema'aseu bechol, kach ma'aseu beshabbat. Comme il faut le faire, ma'aseu, le ma'aseu, l'action, comme l'action du jour profane, comme le rituel des jours profanes, kach ma'aseu beshabbat, ainsi on procédera aussi à Shabbat, avec la même chose. Le Shabbat, la Torah l'a dit, qu'il faudra faire le Pessah Bemo'ado. Partout où vous verrez dans un korban, la Torah nous dit tu le fais Bemo'ado, à son moment, à sa période, eh ben on déduit que ça repousse même le Shabbat. Donc même le Shabbat, il faudra faire le rituel du korban Pessah avec les trois groupes, mais on va prendre quelques petites différences en rapport avec le Shabbat. À savoir, je donne déjà les directives générales. C'est vrai que Shabbat, on va te permettre de faire le korban. Mais on ne veut pas te permettre trop d'extra. Le strict minimum, le minimum requis pour faire ton korban, tu vas le faire. Mais toutes les choses extra que tu pouvais éviter depuis avant Shabbat, ou bien que tu pourras attendre la sortie du Shabbat pour continuer à le faire, tu devras attendre. Donc du coup, on va voir plusieurs Mishnah, même le prochain Pérec, on va commencer sur ce sujet. On va voir déjà plusieurs. D'accord? On commence déjà. Kemaso bechol kach maso beshabbat. Comme le rituel, le faire en trois groupes, en jour profane, tu le feras aussi à Shabbat. Et là, shakohanim madichim et ha'azara, shelo birtson chachamim, avec toutefois une chose que les kohanim faisaient ensuite, c'était que les kohanim madichim et ha'azara, ils lavaient ensuite la hazara, l'esplanade du Mikdash, où il y avait plein de sang, shelo birtson chachamim. Contre la volonté de Chachamim. Soit, en réalité, c'est une petite discussion, c'est-à-dire, d'abord je m'enseigne, et après on va expliquer comment on va mieux, encore mieux le voir dans le sud de la Mishnah. Lorsqu'on faisait le Korban de Pessah, vous imaginez le nombre d'animaux qu'il fallait faire à la Shrita. D'accord? Ça se chiffrait en 1 200 000 une fois, ça arrivait. 1 200 000 korbanot, ils ont apporté le Ham Israël durant cet après-midi. Ça faisait plein de sang, à part le sang qu'on asperge sur le Mizbéach, il y avait plein de sang qui coulait de partout, parce que pour le Mizbéach, on récupère le premier sang, et puis après, il y a du sang qui continue à couler, le temps qu'on va dépecer, comme on verra, il y a plein de sang qui coule, et ça coule par terre. Malgré tout, on va apprendre que c'était le kavod, c'était comme ça, c'était une manière de donner de l'importance au Beth Amikdash, que tout l'homme Israël il fait plein de korbanot, c'était au contraire de laisser le parterre inondé de sang. On expliquera encore plus après. Donc ça se remplissait de sang. Il y avait des flaques, c'était pas que des flaques, il y avait vraiment, c'était devenu une petite mare de sang dans toute la Hazara. Après, une fois que tout l'homme Israël partait, alors il fallait faire du ménage. Parce que laisser du sang pareil, c'est sale. Alors en temps normal, il le faisait, bien sûr, mais même le Shabbat, il le faisait. Et ça posait problème à Chachamim. Pour pouvoir nettoyer la Hazara, c'était vraiment pas compliqué. En fait, il y avait un petit ruisseau très fin qui passait dans la Hazara, je sais pas comment dire, dans l'esplanade, sur le parvis du Beth Amikdash, il y avait un petit ruisseau qui passait, il entrait d'un côté, il ressortait de l'autre. Du coup, de temps en temps, alors selon la nécessité, par exemple, pour que ça puisse se remplir de sang, on fermait l'arrivée d'eau, et comme ça se remplissait bien, et après, quand on voulait refaire sortir le sang, eh bien, on fermait au contraire la sortie. Ouais, on fermait la sortie de l'eau, du ruisseau, on fermait la sortie de l'eau. Là, le petit ruisseau montait, 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 jusqu'à déborder. On avait tout le parterre qui se remplissait d'eau. Et après, on ouvrait
la sortie, et tout s'écoulait, l'eau avec le sang mélangé, et c'est comme ça qu'on avait l'Azara. Faire, réaliser un tel procédé Shabbat, ça pose problème. À Shabbat, il y a un interdit de balayer en plein air sur du sable. On va commencer par le vrai interdit Minatora. On n'a strictement pas le droit de balayer. Imaginez, vous avez une souka dans votre jardin. Interdit de balayer pendant Shabbat. Quelque chose qui est... Le principe, il est très simple. On n'a pas le droit de construire à Shabbat. On n'a pas le droit d'aplanir une surface à Shabbat. Donc un sol qui n'a pas de revêtement dessus, d'abord, le fait de le balayer va faire qu'on va être machevé gomot. On va aplanir les petites crevasses. C'est interdit, Minatora, et à cause de l'interdit de bonnet. Du coup, Rami, on fait aussi un décret même de manière générale, en plein air, de balayer. Il y a des Ashkenazim qui ont des chumrot, même en maison, de balayer de manière très restreinte. Bon, c'est pas le sujet maintenant, mais ça touche à ce problème. Parce que en maison, en général, il y a beaucoup moins de problèmes, étant donné qu'il y a toujours du revêtement par terre. Il va y avoir de la moquette, il va y avoir j'ai pas les mots en français. Du marbre, du carrelage. D'accord? Donc, il n'y a plus le problème qui va se poser en général, parce qu'on ne va pas aplanir malgré tout. Alors, en plein air, par exemple, il va y avoir une xéra de ne pas le faire, de peur qu'on le faire. Donc, on revient maintenant sur la Hazara. Dans la Hazara, alors là, on a un problème. Alors là, maintenant, la Hazara, il y avait du marbre par terre. Donc, il n'y a pas d'interdit Minatora. D'où la problématique, comment comprendre cette Mishnah. Qu'est-ce qui n'était pas comme la volonté de Razal? Que Chachamim, ils s'opposaient à ça, ils n'étaient pas satisfaits de l'histoire. Que les Kohanim nettoyaient. Lorsqu'ils nettoient, bien sûr, non, comme on a dit, ça va tout aplanir. Chachamim n'était pas content, bien qu'il y avait un revêtement par terre. Sur ça, il y a un long Tosfot Yom Tov qui propose plusieurs interprétations, soit parce qu'en fait, entre les deux petites fentes, deux petites failles, deux petites fentes entre deux morceaux de marbre, il y avait là-bas, ça posait le problème. Soit, une autre solution, c'est que, en théorie, c'est vrai, c'est-à-dire, je voulais introduire une notion évidente. Au Beit HaMikdash, on levait beaucoup d'interdits de Rabbanan. D'accord? De manière générale, les interdits de Rabbanan, ce sont des barrières pour ne pas qu'on transgresse des interdits. Au Beit HaMikdash, les Kohanim font très attention à bien faire les choses. Donc du coup, on a levé plein d'interdits. On a levé plein d'interdits en rapport avec la Avoda, en rapport avec le service, mais pas avec l'entretien du Beit HaMikdash. C'était ça, c'est la raison pour laquelle Rami n'était pas d'accord, en fait. Et voilà. Ok? Donc selon le Rambam, je reviens sur le Tosfot Yom Tov, selon le Rambam, le problème il est que si tu vas nettoyer aujourd'hui la Hazara de la sorte, les gens ils vont apprendre que même à la maison, ils vont peut-être se permettre de nettoyer leur cour, et même la cour en plein air, où il y a un sol qui n'a pas de revêtement dessus. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, qui n'a plus de rapport avec le Shabbat spécifiquement, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda enseigne, Kos Hayam Emale Midam Atarovet. Comme on a dit, il y avait plein de sang par terre. D'accord? Ça se remplissait, on faisait en sorte que ça ne s'écoule pas, que le sang se réunisse tout par terre. À la fin, lorsque tout le monde partait, Rabbi Yehuda rapporte un rituel de remplir un verre de sang de ce qui était par terre. Il le ramassait comme ça. Il prenait, Kos Hayam Emale Midam Atarovet, il ramassait un verre du mélange de tout le sang qui était par terre. Zrakos Rika Achat Al Gaba Misbeach. Et il s'approchait, il y avait un cône qui ramassait un peu de sang, du sang comme ça, il allait sur le misbéach et il aspergeait sur le mur du misbéach. Une nouvelle aspersion. À chaque corban, tu as déjà fait une aspersion. Rabbi Yehuda te dit, une fois que tout le monde est parti, tu ramasses un verre de sang du par terre et tu asperges. Velo de l'Ochachamim et Chachamim n'ont pas reconnu les propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, pourquoi il a voulu faire ça? On a dit qu'il y avait un travail à la chaîne extraordinaire où il fallait prendre le verre, le misrak, le récipient où il y avait le sang, le faire passer au prochain. Et pendant ce temps, il refait passer l'ancien. Et hop, il retend les mains. Et comme ça, il travaille l'économie, c'est un travail à la chaîne extraordinaire. Du coup, comme les gens qui travaillent vite, il est possible qu'il y ait eu un moment où il y a eu un mazrek qui est tombé par terre. Et du sang qui s'est renversé par terre, donc il y a eu un corban Pessah où le sang n'est pas arrivé à destination. Dans la course, on n'a pas fait attention que le sang s'était renversé, on n'a pas prévenu les propriétaires que leur corban il était invalidé. Donc du coup, pour éviter ce type de problème, les Kohanim étaient très zélés, mais trop même parfois, parce qu'ils travaillaient trop vite. Donc du coup, pour éviter ce type de problème, Rabbi Yehuda te dit, allez, ramasse un verre du mélange par terre, comme ça, puisque tous les sangs qui tombent par terre se mélangent tous ensemble. Alors maintenant, on considère que le sang que tu as relevé, c'est un échantillon de tous les corbanotes qui ont été apportés aujourd'hui,
tu l'asperges, tu as fait avec une aspersion l'équivalent de 1 million de corbanotes que tu as aspergé sur le misbéar. C'est parfait, non? C'était l'idée de Rabbi Yehuda. Rabbi n'a pas été d'accord malgré tout, parce qu'il faut réceptionner directement depuis l'animal et de là l'apporter directement sur le misbéar, sans compter qu'à part ça, le sang qui tombe par terre, il se mélange avec d'autres sangs, donc il perd son état d'être le sang du Corban Pessah, il s'annule en fait. Selon Chachamim et Rabbi Yehuda discutent justement sur ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une peine d'Atzlacha, Kol Tuv, Salam.